Bonsoir à tous. Euh, bienvenue dans ce nouveau, ce nouvel épisode pardon du rendez-vous de la réaction. Bonsoir. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés euh, un auteur catholique, Jean-Noël, Jean-Noël Toutbon, euh, éditeur, euh, essayiste désormais, euh, youtubeur si tu m'autorises cette formule. Euh, donc éditeur des éditions. Vox Gallia. Hein, ça. Je fais ta pub généralement, cher ami. Hein, c'est vrai que je te remercie euh, d'ailleurs. Euh, je demande aux gens de cliquer. Hein, je demande aux gens de cliquer. <laughs> donc, on va te recevoir, mon cher Jean-Noël, pour bah, ton premier bouquin, si je ne dis pas de bêtises. c'est le premier, oui. Ainsi était Saint-Louis. Alors, je précise qu'à La Technique, ce soir, nous avons un nouveau venu en la personne de Guillaume. Et je remercie euh, Monsieur Jean Laporte euh, qui a permis euh, la réalisation de cette émission quasiment improvisée. Donc, euh, je m'en mêle un peu les pinceaux. Voici donc ainsi était Saint-Louis, de Jean-Noël Toubon, qui est à mes côtés, auteur catholique. Et quand je dis catholique, vous savez ce que ça veut dire, des éditions Vox Gallia. Alors, mon cher Jean-Noël, avant qu'on commence, permets-moi de faire mes annonces habituelles. Bah, C'est normal. Et euh, de faire un petit point d'actu, rapidement. Alors, tout d'abord, vous le savez, nous sommes dans, un, dans une logique de reconquête des esprits. Il nous faut occuper un maximum l'espace médiatique pour ce que j'appelle, moi, la refrancisation. Donc, je fais dans mes émissions un petit peu de Pub pour les chaînes YouTube qui euh, ne sont pas encore très connues, qui n'ont pas encore beaucoup d'abonnés, qui mériteraient d'en avoir davantage et dont il serait utile pour la cause qu'ils en aient davantage. Alors, parmi ces chaînes, qu'avons-nous Nous avons la chaîne du collectif saint à belarmain c'est diffusion. Nous avons la chaîne de Jean-Noël, Galia Notre Histoire de France. Nous avons la chaîne du blog Femme à part. Euh, il y a Radio Regina. Euh, Deus Est, ouais. qui a fait une vidéo absolument exceptionnelle sur la fausse église du Concile Vatican II, qui tend vers les 60 000 vues, si elle ne les a déjà atteints. Il euh, y a Fide TV de Guillaume Fanasel. Ouais. D'ailleurs, Guillaume Fanasel a fait deux lives intéressants avec euh, des Américains. Euh, la foi est assez bien défendue aux États-Unis. Euh, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous parlez un petit peu anglois. Il y en a un qui a un accent un petit peu dur à comprendre. Mais euh, l'autre, je pense que c'est accessible à, à ceux qui, donc, euh, ont des notions élémentaires d'anglois. Donc allez voir toutes ces chaînes, j'en oublie sans doute, il y a la chaîne de Jonathan Sturel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller soutenir ces chaînes YouTube, et leur donner de la visibilité, c'est faire du bien à la cause. Alors aussi par ailleurs, si vous avez un petit bouquin à acheter en Ile-de-France, n'hésitez pas à aller euh, à la librairie française, dans laquelle vous pourrez trouver d'ailleurs euh, bientôt le livre de notre ami euh, Jean-Noël. Jean -Noël. J'avais pas oublié ton prénom, euh, s'il te plaît. La journée a été longue, peut-être. S'il te plaît. Euh... Stressante, stressante. <laughs> hein. Bref. Euh... Donc, si vous avez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire acheté, n'hésitez pas à aller sur le site du collectif Saint-Henri-Bellarmin. Normalement, il y a le lien euh, en description. Nos amis du, du collectif font un très très bon travail de réédition. Et ils ont récemment fait des, des ouvrages de Monseigneur de Ségur, euh, que je vous invite à lire. Euh, par ailleurs. Les émissions que nous faisons euh, sont certes en partie rattachées à l'actualité, mais ce sont aussi des émissions thématiques qui, pas pour toutes, mais qui pour certaines d'entre elles ne vieillissent pas. Je vous invite vraiment à aller revoir, ou voir tout court, les rendez-vous de la littérature, notamment le dernier avec Jonathan Sturel sur Alphonse Daudet, qui était, je pense, très bon, je peux le dire, c'est celui qui a bossé, ce n'était pas moi. Euh, allez revoir mon émission sur le magistère de l'Église. Allez voir l'émission avec... Euh, Alexandre Cormier Denis sur l'histoire du Québec, qui fait une synthèse de l'histoire du Québec qui est magistrale. Allez revoir ces émissions entre guillemets euh, structurelles. Voilà. Euh, on est là pour s'imbiber de la qualité française et pour la diffuser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc cliquez, n'est-ce pas voilà, Cliquez, le mot magique. Voilà pour ce qui est des annonces. Alors autre annonce très importante, j'oubliais, j'oubliais, j'oubliais. Pardonnez-moi. Euh, je vais faire une séance de dédicace à la librairie française. Le 11 juillet prochain, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est le samedi, euh, ce n'est pas celui-là, mais euh, celui de la semaine prochaine. Donc je ferai une séance de dédicace à la librairie française en compagnie d'Alain Pascal. Donc nous dédicacerons tous les deux nos ouvrages. Donc n'hésitez pas à venir. Euh, Alain euh, est moins présent que moi sur internet. Donc euh, voilà, euh, pour les franciliens, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas, Alain fait un travail remarquable euh, depuis maintenant plusieurs décennies et il faut soutenir son boulot. C'est un boulot euh, compliqué parce qu'il traite de sujets complexes euh, et il le traite de façon sérieuse. Parce que ces sujets-là, généralement, ne sont pas traités de façon sérieuse par les gens de la dissidence. Bref, euh, voilà pour ce qui est des annonces habituelles. J'espère que je n'oublie rien. Donc, je répète, séance de dédicace de votre serviteur et d'Alain Pascal à la librairie française le 11 juillet. Euh, prochain, samedi 11 juillet prochain. À quelle heure euh, bon, C'est vers, vers 14h, je crois, 14-19h, comme d'habitude. Euh, tu as des annonces spécifiques, Jean-Noël ou... Non, c'est bon Non, pas comme ça, là, ça ne vient pas. Ah bah, mais... Attends, j'ai oublié la chaîne 5 5 Oui, exact. La chaîne 5 5 on retrouvera une de tes conférences je... sur la chaîne début de semaine prochaine. Ouais, là, bon, Il n'y a, y a pas d'urgence. Hein. Prochainement, mais prochainement. La chaîne 5 ce 5 sont... c'est la chaîne euh, qui est consacrée. Aux conférences qui sont faites à la chapelle Saint-Pyrin de la à Rennes. C'est ça. Et euh, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes de qualité. Voilà. Oh. Donc euh, et puis, euh, c'est toujours un plaisir pour moi d'ailleurs d'aller à la chapelle de la à Rennes. Euh, D'autres et... conférences sont visiblement prévues pour la fin de l'année. Ça, ça continue Il bah n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Le combat continue. Alors, avant qu'on en arrive à l'ouvrage de notre ami Jean Noël, permettez-moi deux petits points d'actualité. D'abord, dédicace à L'Oréal, n'est-ce hein, pas euh, L'Oréal, vous le savez, a retiré euh, de certains de ses produits toute notion à la blanchitude. Voilà, donc tout ce qui blanchissait, je ne sais pas comment on doit dire, ouais. hein. le, voilà, tout ce qui éclaircissait euh, a subi du. Euh, Une discrimination. Du wit oui. bashing, mmh. on doit dire comme ça en François euh, à Radio Athéna. Euh, donc on voit bien que L'Oréal voilà, fait de la propagande anti-blanche. Et d'ailleurs, d'autres groupes de cosmétiques. Euh, on fait ce type de propagande. Hein. L'Oréal n'a été euh, qu'un élément de, de l'échiquier, si je puis dire. Alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est que dès le lendemain, sur les réseaux sociaux, il y a eu une levée de boucliers. Euh, de Villiers, notamment, a fait un tweet dans lequel il invitait les gens à boycotter L'Oréal. Et il euh, y a un hashtag qui a émergé, je crois, qui s'appelle J'arrête L'Oréal. Et le journal 20 Minutes a fait un article sur euh, la fronde, je dirais, des réseaux sociaux. Il semblerait que d'ailleurs la, la valeur boursière de L'Oréal ait subi un instant un, un recul. Ouais. Après, ça a remonté. Mais voilà. Donc, j'invite les gens à poursuivre ce mouvement de, de, de boycott. Quand on fait de la propagande anti-blanc, euh, je ne vois pas pourquoi il euh, n'y aura pas de conséquences. Voilà. Donc, euh, boycotter tant que ces gens-là euh, cirent les pompes à Black Law Matters. Voilà. Ensuite, j'évoquais tout à l'heure mes émissions structurelles. Il y en a une qui est structurelle, je pense, c'est l'émission du Mouche ou Vigano. Allez voir l'émission sur l'abbé Vigano, parce que ça, ce sont vraiment, euh, enfin, on traite vraiment d'événements qui peuvent marquer l'histoire de l'Église et donc du monde et de la France. Euh, suite, je dirais, du dossier Vigano. Donc, euh, Athanasius Schneider a fait euh, un article dans lequel il se prononce non pas pour l'abandon total de Vatican II, mais pour la correction de certains passages. Dans mon ouvrage L'infaillibilité pontificale, j'avais déjà euh, taillé en pièces un article de d'Athanasius Schneider. Et sur le site Fidei Catholica, j'avais également fait un très long article dans lequel je taille en place euh, un autre article d'Athanasius Schneider, qui est de bonne volonté, mais qui ne va pas au bout. Donc Athanasius Schneider plaide que euh, certains passages de Vatican II seraient entre guillemets infaillibilisés à tort. Je vous rassure, monsieur Schneider, rien n'est infaillible dans Vatican II, puisque c'est un concile et non pas un concile catholique. Mais officiellement, tout ce qui relève de la foi et des mœurs est censé être infaillible dans Vatican II. Bon. Donc Athanasius Schneider a fait un article que vous retrouvez sur le blog de Jeanne Smith. Dans lequel il y a un certain nombre de choses fausses. Par exemple, il dit que le concile que Pie XII a corrigé le concile de, de Florence, ce qui est absolument ridicule. C'est absolument pas le cas. Dans mon article sur Filii Catholica, vous, vous verrez que je réfute tout ça. Il y a un petit truc intéressant quand même, c'est qu'il reconnaît euh, que le Subsistit In n'a pas été bien corrigé par euh, la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le Subsistit In, c'est une hérésie assez connue de Vatican II. Qui nous dit que euh, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, alors que le magistère a toujours enseigné que l'Église du Christ est le corps mystique du Christ. Donc il n'y avait pas deux entités, il n'y en avait qu'une. Et Schneider reconnaît que la pseudo-régularisation euh, de cette question par la commission de la doctrine de la foi, donc en 2007, euh, cette correction n'est euh, pas sérieuse, puisqu'il nous dit que donc la congrégation n'a malheureusement pas évité de dire, pardon, la congrégation a malheureusement évité de dire clairement que l'Église du Christ est véritablement l'Église catholique. Voilà. L'abbé Vigano, quant à lui, a fait un nouveau texte dans lequel il maintient euh, qu'il euh, faut abjurer Vatican II. Voilà. Donc euh, il ne lâche rien. Et le fait qu'il poursuive à échéance régulière ces textes d'interview l'a supposé qu'il est en train de se passer quelque chose et que lui veut maintenir la pression. Le Vatican a répondu à Vigano dans un article absolument nullissime que vous trouverez sur le site Vatican News qui s'appelle le développement dans la doctrine, de la doctrine pardon, et la fidélité dans la nouveauté. Écrit par Sergio Centofanti. C'est d'une nullité affligeante. Affligeante. N'importe quel youtubeur concilière sur YouTube fait mieux. C'est d'un creux absolu. On parle de tout et n'importe quoi sans répondre très précisément aux objections de l'abbé Vigano. Donc c'est absolument nul. Euh, donc, euh, si vous avez du temps à perdre, allez lire ce texte. Euh, sinon, la vie est trop courte. Mais en tout cas, ça nous démontre qu'en face, euh, bah, ils sont minables, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, pour en finir sur cette question, avant d'arriver au sujet du jour, sachez que l'évêque catholique, je, je précise d'un pour les non initiés entre guillemets, mais quand je dis évêque catholique aujourd'hui, c'est forcément un hein. Bon. Euh, donc, l'évêque nonacum, monseigneur Sonborn a fait un texte dans lequel il évoque euh, la prise de position de l'abbé Vigano. Alors j'ai fait une traduction avec euh, Google, donc euh, tout n'est pas terrible, euh, pas, tout n'est pas forcément très français dans ce que je vais lire, mais on en comprend le sens. Permettez-moi de vous lire ça, parce que autant euh, le texte de l'abbé la Vigano du, du 9 juin dernier m'avait presque arraché une larme. Eh bien, je dois dire que ce texte de Monsieur Sonborn m'a lui aussi presque arraché une larme. Citation Une grosse surprise, a big surprise. Hein, je pouvais à peine en croire mes yeux en lisant cette déclaration de l'archevêque Vigano. Au cours des 55 ans qui se sont écoulés depuis Vatican II. Je n'ai jamais vu une présentation aussi succincte des erreurs de Vatican II et une critique intelligente des deux, entre guillemets, guérisons du Concile, l'herméneutique de la continuité théorisée par Ratzinger et la théorie de la correction de Athanasius Schneider. Il est également évident que l'archevêque connaît bien la doctrine catholique. Je ne sais pas où l'archevêque ira, mais il va quelque part. Sa boussole de tout ce qu'il dit pointe tout droit vers le cédévacantisme, en gros vers le catholicisme. En résumé, plutôt devrais-je dire, car il a complètement saccagé le Concile Vatican II, l'identifiant magistralement comme la source des problèmes de l'Église et chargé de graves erreurs. Il a également saccagé tout l'ère post conciliaire la qualifiant d'Église parallèle en opposition à la véritable Église. Je répète, il a également saccagé tout l'ère post conciliaire la qualifiant d'église parallèle en opposition à la véritable Église. Puis, euh, et puisqu'il rejette pardon, la théorie de la correction, que reste-t-il à faire si ce n'est d'annuler le, le Concile comme une réunion illégitime? Mais dire cela implique nécessairement euh, Jean 23 et Paul VI. Il est impossible d'affirmer que le Concile est la mère d'une Église fausse et parallèle, mais qu'il nous a été promulgué par un vrai pape. Prétendre qu'une telle déviation vient de l'autorité du Christ dévolue au pape mine l'édifice catholique depuis sa fondation, pour reprendre les propres mots de monseigneur Vigano. Déclarer les papes de Vatican II comme des faux papes sera un acte très douloureux pour l'Église, mais il est indispensable pour son intégrité, sa vérité, sa crédibilité en tant qu'institution divine. Ces agents maléfiques, les papes de Vatican II, entre guillemets, doivent être démasqués comme des intrus modernistes qui mettent en place un plan maléfique pour renverser l'Église catholique datant de plusieurs siècles. Prions pour l'archevêque Vigano, qu'il prenne les bonnes décisions sur son chemin vers la vérité, et surtout qu'il évite la fausse théologie de reconnaître et résister au système de la fraternité Saint-Pédis, qui précisément s'appelle magistère et l'indéfectibilité de l'Église. Ben moi, ce genre de texte, ça me donne la patate. Voilà. Donc, saluons Mgr sunborn Je précise que l'abbé Vigano est, est actuellement courtisé et dragué par beaucoup de gens. Il est dragué par la Fraternité Saint-Pédis. Il est dragué par les Williamsoniens. Je rappelle quand même à la Fraternité Saint-Pédis que Mgr Lefebvre n'a jamais été officiellement pour la suppression du Vatican II. Mgr Lefebvre a euh, voulu qu'on « réinterprète le Concile à la lumière de la tradition ». Et euh, donc quand la Fraternité, sur son site actuellement, nous dit euh, que euh, l'abbé Vigano parle comme Le Lefebvre, c'est absolument faux. C'est absolument faux. L'abbé Vigano est beaucoup plus radical que Le Lefebvre. Bon. Alors il a, a certes un recul que n'avait pas Le Lefebvre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire des choses fausses. Bon. Quant aux Williamsoniens, les Williamsoniens, c'est la Le euh, Lefebvreiste. Euh, les Williamsoniens, quand on leur demande ce que c'est euh, la secte concilière, ils disent c'est l'église officielle. Qu'est-ce que c'est l'église officielle Moi, je vous mets au défi de me trouver un code de droit canon, un texte du magistère, un catéchisme, un texte de saint, d'un docteur de l'église, d'un père de l'église, où on parle de l'église officielle. Ça n'existe pas, l'église officielle. Et les Williamsoniens, les lefévristes Williamsoniens ne se mouillent pas, ils n'osent pas qualifier leur fausse église officielle de secte concilière. L'abbé Vigano, lui, le dit. C'est une fausse église. Comme le relève au passage d'ailleurs Mgr Sunborn. Donc, Williamsonien qui m'écoutait, ne faites pas comme si vous étiez euh, sur la même longueur d'onde que l'abbé Vigano. Parce que l'abbé Vigano fait le constat de la fausse église, vous ne la faites pas. Et vous diabolisez depuis des décennies les Nanonacum qui, eux, le font. Bon. Vigano appelle Bergoglio. Bergoglio, il ne l'appelle pas François ou pape François. Vous, vous l'appelez François ou pape François. Ne faites pas comme si vous étiez sur les mêmes positions que l'abbé Vigano. Et ça, ça vaut aussi pour la fraternité saint au passage. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Donc prions tous pour l'abbé Vigano, pour qu'elle ait au bout de sa logique. Prions pour qu'un maximum de conciliaires se convertissent à ses côtés. Ce qui est intéressant, c'est que Mel Gibson a posé avec un, entre guillemets, évêque, Conciliaire, qui est d'ailleurs peut-être lui aussi un, un homme d'église valide, puisqu'il a 97 ans. Et euh, cet évêque euh, conciliaire, donc, euh, qui pose avec Mel Gibson, a qualifié Bergoglio aussi d'antipape. voyez Donc, comme quoi le CD progresse de plus en plus chez les conciliaires Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément convertis. Voilà. Mais au moins, ils font le constat d'une vacance du siège. Voilà. Ce qui est quand même bon à prendre. Donc, les choses avancent sur, ce, sur cet aspect-là des choses. Euh, nos ennemis vont s'effondrer. Et c'est une excellente nouvelle. Je sais pas la date, je sais pas quand, mais c'est certain là, le bon Dieu est en train de nous envoyer des, des grâces. Bon. Mon cher Jean-Noël, on, on va en arriver à ton livre. Eh bien, pourquoi pas Alors d'abord, explique-moi, mon cher Jean-Noël. Dis-moi tout. Pourquoi un livre sur Saint-Louis et pas sur les grands hommes, d'autres grands hommes de l'histoire de France comme Jacques Chirac, François Hollande, par exemple, tu vois Pourquoi, je te pourquoi sens as tu pourquoi tu choisis Saint-Louis alors j'ai choisi Saint-Louis. Euh, ça a commencé en 2016 quand j'ai lancé ma chaîne. Tout ça c'est venu un petit peu en même temps. Bah, par une telle chaîne rapidement aussi. Euh... Bah, ma chaîne c'est Gallia notre histoire de France. Je vous invite à aller y faire un tour. Ce sont des chroniques historiques qui euh, traitent de la période Clovis Louis XVI essentiellement. C'est un choix parce que déjà d'une, j'aime déjà... beaucoup cette période à la base et ensuite euh, c'est celle que je j'aimerais à mon humble niveau réhabiliter dans le sens où l'éducation nationale a déjà fait suffisamment de dégâts chez moi. Euh, donc il y a du travail à faire sur euh, la réhabilitation de ce qu'était euh, l'ancien régime, le Moyen Âge, et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas humblement. Et donc en 2016, sauf c'est peut-être une question. Non vas-y vas vas-y vas-y En 2016, je lisais de l'histoire comme je l'ai toujours fait parce que je me suis passionné d'histoire depuis l'adolescence, et j'ai eu un livre entre les mains sur, une, enfin, une biographie de Saint Louis. Et je dois dire qu'à l'issue euh, de ce livre, j'étais complètement surpris de découvrir une vision de l'histoire de France et de mmh. la catholicité que je ne connaissais pas et qu'on ne m'avait absolument pas expliquée. Je ne pensais pas trouver chez un gouvernant autant de vertus. Et ce qui m'a le plus décontenancé, c'est que je n'arrivais pas à lui trouver euh, de fautes, d'erreurs ou de critiques à l'issue de la lecture de ce livre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu savoir si l'auteur avait un parti pris et si chez d'autres auteurs, je pouvais mmh. y trouver des, des contradictions. Et c'est quand j'ai commencé à m'apercevoir que finalement, même chez les auteurs pas spécialement catholiques, il y avait une certaine... Euh, pas admiration, parce que l'historien n'est pas dans l'admiration ou pas l'admiration, mais euh, une cohérence avec le premier livre que j'avais vu. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu tout savoir sur ce règne. J'ai développé une passion pour ce règne et j'ai eu envie euh, d'en parler à tout le monde. Je voulais que tout le monde soit au courant de. Je connais ça. De, de l'existence de ce roi. Je connais ça. Ouais. Parce que euh, bah, je dois le reconnaître, ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule chose, mais il m'a quand même réconcilié avec la France et avec la foi catholique. Hmm. Ce n'est pas le seul, c'est un mélange ce de choses. Mais je me suis dit, ah bon, c'est ça. Mm. Et c'est ça que je voulais euh, témoigner. Euh... Alors, au début, ce n'était pas l'écriture d'un livre. Le... Oui. C'est-à-dire que mon métier étant audiovisuel depuis 13 ans, euh, j'ai commencé par imaginer un documentaire, puisqu'il n'existe rien en ligne, sur, euh, bah, déjà pas beaucoup de choses sur la période médiévale. Et sur Saint-Louis, encore moins. Mm. On doit se contenter du secret d'histoire de Stéphane Bern. Euh, et euh, j'ai, j'aurais souhaité voir aussi autre chose, même si euh, esthétiquement c'est magnifique, hein, ce qu'a fait Stéphane Bern et ses équipes. Il faut reconnaître que ces émissions sont pas mal, là, Stéphane Bern. C'est de la bonne vulgarisation. Oui, qu'on Mais il y a des choses que j'aurais aimé. Euh, L'aspect spirituel oui, oui, oui. y est forcément parce qu'on ne peut pas passer à côté quand on parle de Saint-Louis. Mais elle n'a pas été expliquée comme moi je l'ai mmh. lu. Mais bon, je peux. Ça m'a pas surpris non plus. Mmh. Et donc quand j'ai commencé à travailler le documentaire, je me suis aperçu que c'était très compliqué parce que financièrement, euh, c'était très coûteux. Techniquement, humainement, ça me demandait beaucoup de, de ressources que je n'avais pas. Et comme je le répète, en 2000, on était en 2016 et j'étais au début de, de cette chaîne. Donc pour moi, tout me paraissait euh, insurmontable. Et donc j'ai commencé à écrire malgré tout euh, un script pour ce documentaire et très vite, le script a tourné en, en, en livre. Je me rendais compte que j'écrivais autre chose qu'un script, parce que j'avais naturellement envie de raconter ce que j'avais lu. Mais le problème, c'est que je me suis très vite aperçu euh, qu'il allait être très compliqué de faire lire des livres euh, aux gens aujourd'hui. C'est très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est ce oui. que je pensais à l'époque. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Et donc, je me suis dit, je vais rester dans cette dynamique de ma chaîne d'histoire, à savoir la synthèse et la vulgarisation. Hmm. Et je me suis dit, je veux que ce livre, c'était mon ambition, d'ailleurs j'en parle dans la préface, je veux que ce livre soit un, un premier pas dans la découverte de ce qu'a été ce règne et donner envie aux gens d'en savoir plus. Euh, réhabiliter deux, trois choses que j'entends encore sur Internet, que je lis encore et qu'on m'envoie encore, parce que sur ma chaîne d'histoire, j'ai évidemment réalisé des chroniques sur, cette, euh, enfin sur son règne. Et il y a encore des, des poncifs sur, euh, sur Saint-Louis. Et. J'ose espérer que ce livre participe à réhabiliter de trois choses essentielles. Mais si on me dit, euh, et d'ailleurs, puisqu'il est sorti le 13 juin, j'ai déjà eu quelques retours. Oui, de des, hein, des, des bonnes lecteurs. ventes, hein, on va le dire. Hein, tu as des bonnes ventes déjà. Je suis assez satisfait, effectivement, des ventes. Mais les retours euh, vont dans le sens euh, de ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire euh, donner envie d'en savoir plus retrouver l'enthousiasme euh, de cette période historique. Et, euh, et voilà, je lui dois ça parce que euh, bah, je lui dois tellement de choses que c'est le minimum que je pouvais quel, faire. quel est l'intérêt euh, numéro un de cet ouvrage selon moi euh, Tu sais, moi j'ai lu euh, une biographie sur quasiment tous les rois de France. Euh, notamment, il y avait la collection de, des Georges Bordenauve, je ne ouais. sais pas si tu connais. il a écrit sur Saint-Louis aussi. Parce que, euh, parce que quand, je, quand je préparais le barreau, euh, j'allais dans les bibliothèques municipales et il y avait beaucoup ces bouquins-là et... Euh, quand je voulais arrêter de, de réviser quelque temps, j'ai je, je des bouquins quoi. Donc j'ai tout lu comme ça. J'ai pas lu que des Bordelais, mais voilà. Mais généralement, les biographies des rois faites par des historiens pros sont comme ça. Faut être prêt, hein. En gros. Et pour dire les choses simplement, ces ouvrages sont illisibles par le commun des mortels parce que l'historien s'arrête sur des choses qui malheureusement n'intéressent pas forcément tous les lecteurs pour dire les choses comme ça. Et donc, la lecture devient pénible, en quelque sorte, parce qu'il y, y a des passages fastidieux, des trucs pas forcément très intéressants. Il peut passer voilà. un chapitre sur euh, une date, un nom, une famille. Euh, voilà, ou un événement. événement euh, euh. bon, voilà. C'est intéressant, mais pas pour le commandant. Alors le que ton livre, mon cher Jean-Noël, c'est un vrai récit. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est un vrai récit, c'est une histoire qui est contée en quelque sorte. Oui. Je ne sais pas si je suis clair. Est-ce que je suis clair euh, Je suis clair, bon. Donc c'est euh, une histoire qui est contée, c'est un récit, donc ça se lit rapidement, facilement, enfin en tout cas pour moi, parce que bah, je suis, oui, je suis un lecteur habituel. Et, euh, et voilà, donc c'est ça la force du livre, c'est que c'est un récit qu'on suit, donc c'est clair, on comprend tout, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Euh, voilà, et puis euh, moi qui connais un petit peu cette période que j'aime beaucoup aussi, euh, voilà, écoute, je m'y suis retrouvé. Donc j'ai appris des choses aussi. Euh, donc euh, vraiment, c'est ça la force de ton livre, c'est euh, que ça se lit facilement et ça reste dans le crâne. Voilà, C'est un récit. C'est un récit. Euh, c'est écri bien écrit, un style euh, très clair, euh, ce qui ne va pas de soi, hein, parce que de nos jours, les gens qui ont un style clair, euh, bah, on repassera. Enfin, parmi les jeunes, en tout cas. Donc euh, donc voilà, c'est euh, bah, la Bah Je te remercie, l'efficacité. Souvent, ce qui rebute euh, les gens quand on, quand on évoque avec eux euh, les cours d'histoire. 17 euros, je précise. Oui, c'est vrai, ça fait euh, 190 pages. Hein. Et alors, euh, peux-tu préciser où on peut se le procurer alors, on Et se le... comment On se le procure sur euh, le site de ma maison d'édition, les éditions euh, Vox Gallia. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus. Vous allez arriver merci, directement. Merci, merci, Je ne suis pas le seul à dire cliquer, c'est bien, merci. Vous allez aller directement sur la boutique de la maison d'édition, puisqu'il n'y a pas que ce livre-là. C'est le premier que j'ai écrit. Mais il y a d'autres livres réédités. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir les différents ouvrages. Ok, ok. Alors, euh, ton bouquin euh, commence euh, un petit peu avant la règne de Saint-Louis, puisque tu évoques le contexte, on va dire. Euh... Ça me paraissait essentiel de contextualiser. Bah, bien sûr. Euh, parce que déjà, d'une, mot. Euh, ça permet de comprendre dans quelles circonstances, dans, que, dans quel contexte, pardon, euh, Louis IX arrive aux commandes du royaume. Et euh, ce qui va se passer l'année de sa naissance va conditionner la façon dont il va gouverner le royaume de France. Donc en 1214, il y a deux événements importants qu'il faut retenir la naissance de Louis IX, le 25 avril, et la bataille de Bouvines, le 27 juillet. Donc cette bataille de Bouvines, pour faire très simple, euh, vous imaginez le royaume de France qui euh, représente l'île de France et un petit peu au-delà, vers le sud de la France d'aujourd'hui. Alors je précise que l'Île-de-France c'est la région dans laquelle on est en ce moment. Hein. Exactement. Ça se voit pas forcément, mais bon je précise. Et toute la partie ouest du royaume, ce sont des fiefs anglais. Anglois. 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 Et euh, donc le, le domaine du, du roi de France est entouré par deux grandes puissances qu'est le roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Et, euh, alors en, et puis le Saint-Empire romain germanique, Auton 4. Et en 1214, nous sommes sous le règne de Philippe Auguste, qui est un grand roi de France, qui a fait beaucoup évoluer le royaume de France. Et il se trouve isolé euh, entre ces puissances qui ont un projet hostile à l'encontre de Philippe. Entre Auguste. le marteau et l'enclume. Exactement. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de France, d'ailleurs, ce genre de choses. Chaque fois on gagne. Voilà. Comme ça. Et mais il y avait aussi des comtés au nord du royaume, la Flandre, le Brabant, etc. En gros, ils étaient vraiment, enfin, le royaume était isolé, au milieu, tout seul. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau dans, dans l'histoire de France, c'est que le roi de France, Philippe Auguste, est en infériorité numérique pour se battre contre tous ses belligérants. Donc il est contraint de mobiliser les milices communales. En somme, ce sont les gens du peuple. Les Manants, les Gueux. Les Gilets jaunes de l'époque. Exactement, qui vont venir prêter main forte à leur souverain beau ça, pour en magnifique. venir à bout. C'est magnifique ça. Et d'ailleurs, ça va surprendre les chevaliers adverses, qui vont pour certains ne pas accepter, vraiment être très étonnés de devoir se battre contre la plèbe. Mmh. Donc ça, c'est juste pour la petite anecdote. Toujours est-il Mais qui est pleine de sens. Toujours est-il que ce 27 juillet est un dimanche, et normalement le dimanche, l'église interdit de se battre. Sauf, sauf que Hoton IV, l'empereur, a été excommunié. On ne va pas rentrer dans le détail. Lui, il s'en moque. Mmh. Philippe Auguste se trouve bien donc, par conséquent, euh, dans une situation de défense contre ce roi. Et euh, je vais accélérer un petit peu l'histoire. Mais il va remporter cette bataille. À partir, du, enfin, à partir de cette bataille, il va naître dans le cœur des Français. Un sentiment d'appartenance à une nation, même si ce terme est tout à fait euh, impropre. Ouais, ouais. Parce que cette époque est une période féodale. Et donc chaque euh, comté, duché, quelque part, a sa propre indépendance, est juste un vassal du suzerain mmh. qui est le roi de France. Et donc c'est tout à fait nouveau ce sentiment. Et là, quand le roi Philippe Auguste va rentrer à Paris, les festivités vont durer une semaine. Parce mmh. que le destin de la France aurait pu basculer du regnum Francorum. Exactement. Aurait pu basculer ce, ce oui. jour-là. Tout à fait. Et en quoi ça a une importance euh, par la, fin, dans, le, dans, dans le règne de Louis IX Alors, je vais parler pour le XIIIe siècle, ouais, ouais. siècle. Je vais parler très brièvement du règne de son père, Louis IX. Euh, C'est Louis VIII qui a duré trois ans, donc il n'y a pas eu Louis VIII le Lion. Le Lion, effectivement. C'était quelqu'un de chevaleresque. Comme euh, une fessée des Anglois aussi. Oui, qui a failli être trois dans mmh. il, il a été couronné et pas sacré. Et du coup, les conséquences vont être militaires, politiques et financières. C'est-à-dire que la partie ouest du Royaume de France que j'évoquais tout à l'heure, qui était des fiefs anglais, vont passer dans le giron français. C'est-à-dire que désormais, le Royaume de France va avoir une physionomie assez proche de celles que nous avons aujourd'hui excepté l'Aquitaine d'aujourd'hui qui était la Guyenne mm. et puis ben, évidemment à l'Est c'était pas tout à fait pareil mais ça ressemblait beaucoup plus ça, commence à ça commençait dessiner. à se dessiner voilà. et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça a comme conséquence c'est économiquement c'est considérable les, les, euh, les retombées financières et euh, la puissance politique dans le monde chrétien occidental est tout à fait euh, considérable oui, oui. Bouvines, c'est l'équivalent des Waterloo de Waterloo exactement. pour les Anglois. C'est-à-dire, c'est le moment de bascule où ils deviennent la puissance numéro un. Voilà. Donc nous, à partir de Bouvines, on devient la puissance numéro un. Et c'est pendant la guerre de 100 ans qu'on perdra malheureusement euh, ce rôle. Exactement. Et du coup, la providence a permis euh, à Louis IX d'exploiter mmh. tous ses atouts pour faire du XIIIe siècle. Que certains appellent le siècle de Saint-Louis, euh, a raison pour moi. Mmh, L'apogée le, le, euh, de l'Europe chrétienne, de la France chrétienne, c'est-à-dire que le XIIIe siècle, c'est le siècle des superlatifs. Mais, c est, c est, Il y a tout. Il y a tout dedans. C'est le moment où la civilisation est à son paroxysme. Puisque jamais on n'a organisé à ce point la société pour que les âmes aillent au ciel. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, je vais un petit peu devancer sur ce qu'on va sûrement évoquer tout à l'heure, mais ça a été l'objectif numéro un. De Louis IX, il a passé sa vie à avoir euh, cette crainte du péché mortel, enseignée par sa mère, Blanche de Castille. On un mot. Ouais. Et il a une volonté farouche, cheville au corps, de gagner le ciel. Toutes ses décisions, tous ses propos, tous ses actes, tous ses comportements ont été pris à l'aune de cette motivation qui est de gagner le ciel et. Ouais. De faire gagner le ciel à ses sujets. Et à ses ennemis, même parfois. Et à ses ennemis. Et euh, Blanche de Castille, donc qui était la, la mère espagnole de Saint-Louis, lui avait dit Je préfère te voir mourir que de te voir commettre de un péché mortel. Exactement. Parce que le péché mortel, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, toute, toute la problématique d'un catholique, c'est d'être en état de grâce. C'est-à-dire de ne pas avoir de péché mortel sur la conscience. Parce que si vous avez un péché. Si vous mourrez en état de péché mortel, vous allez en enfer. D'avoir l'âme propre. Et pour aller au ciel, il faut être en état de grâce. Voilà. Et donc, Blanche de Castille voulait que son fils soit en état de grâce, et elle préférait donc le voir mourir en état de grâce que de le voir être vivant en état de péché mortel, c'est-à-dire potentiellement pour être dans un état où il allait potentiellement en enfer. Et on a, on le résumé de toute la politique de Blanche de Castille, toute la personnalité de Blanche de Castille dans cette phrase. Parle-nous de d'ailleurs de sa mère, parce qu'elle a eu un rôle très 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 important dans sa vie, Blanche de Castille, et pendant très longtemps. J'oserais même dire que ça a été la femme de sa vie. Mmh. Euh, L'histoire, par la suite, on en parlera peut-être, mais euh, le montrera. Mais euh, Blanche de Castille, c'est une euh, femme qui est arrivée en France, au royaume de France, en 1200, par le mariage avec Louis VIII. Alors, l'immigration, quand ça concerne une, une seule personne, c'est très bien. Hein. Je précise. Hein. Et puis, elle venait de Palencia, à oui. Castille. Et euh, à la cour de Castille, elle a été extrêmement bien éduquée, très cultivée, très lettrée. Elle va aussi enseigner euh, tous ses arts euh, à, à Louis IX. Et quand elle arrive à la cour de France, elle est euh, surprise, pour ne pas dire choquée, de l'austérité qui régnait à la cour de France. La cour de Castille, c'était pas ça. C'était beaucoup plus euh, joyeux. Et donc, quand elle arrivait en 1200, elle avait 12 ans, bon, c'était une enfant. Elle a appris, petit à petit, en côtoyant Philippe Auguste, euh, son, son, son beau-père. Ouais. Beau euh, comment gouverner le royaume de France Elle a développé une personnalité forte. Les, certes, beaucoup d'historiens parlent d'une femme au cœur viril. Et c'est ça, c'est une femme au cœur viril. C'est une, une femme extérieurement, à l'intérieur, c'est un homme. Une poigne incroyable. Et ça, elle l'a développé à la cour de Philippe Auguste. Donc cette austérité peut-être l'a rendue un peu plus euh, virile, rigide à, en tout cas, euh, costaud. Ouais. Donc elle a commencé à apprendre à gouverner sous Philippe Auguste. Elle n'était pas encore reine de France, puisque elle sera reine de France avec le sacre de son mari, Louis VIII, en 1223. Mais donc du coup, elle sera reine de France pendant trois ans avec son mari. ou elle aura l'image d'un mari conquérant, chevalier, comme on le disait tout à l'heure. Donc vraiment, elle a, elle a apporté à Louis IX cet équilibre entre la dévotion, la foi profonde et sincère, et la virilité, puisque toute la première partie du règne de Louis IX, c'est Blanche de Castille qui va régner, co-régner avec Louis IX, puisqu'il il a 12 ans quand il est sacré roi de France. Euh, d'ailleurs il y, y a beaucoup de choses à expliquer il est sacré roi de france à la suite du décès de son père à montpensier qui euh, était parti avec les croisés du nord comme on les appelait euh, en croisade dans le midi de la france contre les albigeois mmh. et quand il rentre il meurt de dysenterie et il demande à son conseil de euh, prêter allégeance à son fils euh, louis ix tout jeune mais il sait très bien euh, louis viii que c'est très dangereux de laisser le royaume avec un, un enfant pas encore sacré. Parce que dans l'imaginaire médiéval, c'est le sacre qui fait le roi. Et dès lors que le roi est sacré, il devient intouchable. Mais jusqu'à ce sacre, il y a un gros danger. Et là, on peut remercier la Providence d'avoir mis à côté de Louis IX une femme comme Blanche de Castille. Parce qu'à partir de ce moment-là, euh, pendant un. Un certain nombre d'années, on va dire, aller jusqu'au mariage de Louis IX. C'est elle qui va apprendre à son fils comment euh, gouverner et comment imposer son autorité. Au feu oui. doré. Pas par la violence, mais euh, par la charité aussi, parce que dans les, euh, les affrontements qu'elle a eus avec les barons extrêmement virulents à l'égard de la couronne, on va, on va en parler un petit peu il y a toujours eu, et ça je pense que c'est un, un trait de, de caractère très médiéval finalement, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, euh, c'est-à-dire que de, quand vous vous affrontez mmh. avec quelqu'un, c'est la société du don et du contre-don. Ah mais il y a un code de l'honneur tout simplement. Exactement. Qui hein. ouais. Alors, quoi, et donc ça, ça faisait aussi partie des choses qui m'ont extrêmement surpris. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, ceux de ma génération et ceux d'avant, on est habitué, enfin on a vu des images. Euh, de, de gouvernants. Enfin, on a vu des, des bombes atomiques. Mm. On a vu des, des souverains se faire exécuter. Enfin, c'était pas la même. Il euh, n'y avait pas le vice qu'on mm. trouve aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque. Et la façon dont Louis IX a traité ses ennemis, ce sont des exemples de, de comportement que, mm. euh, que doit avoir un, un chef d'État, un gouvernant. Donc, les premières années de son règne, elle n'était pas. Elle était. Elle n'était pas régente, elle était baïstre. C'est-à-dire que le terme de régence arrive beaucoup plus tard. Et baïstre, ça veut simplement dire celle qui à, la, à qui on confie euh, l'enfant. Elle a la responsabilité, la garde de l'enfant. Et donc, ils vont co-régner euh, ensemble. Il euh, n'y a pas de date de fin légale, euh, mmh. si tu veux. Mais à partir de 1234, quand il va se marier, euh, là, il va commencer à, à s'émanciper de sa mère. Alors, avant d'en arriver là... Est-ce que tu peux raconter, il y a un passage que j'aime bien, puisque le peuple de la région, plus ou moins l'île de France, va sauver Saint-Louis quand il était jeune, des barons. Ouais. Est-ce que tu peux raconter ça, parce que c'est un beau passage d'amour du peuple, je dirais, pour euh, Effectivement, c'est. Une... Si, si tu l'as en tête, bien sûr. Et bien sûr. Au début de son règne, en 1227, donc Louis IX est roi de France depuis seulement 6 euh, mois. Il a 12 ans. Je le répète, parce que mmh. ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et il y a un certain nombre de barons très puissants au Royaume de France qui en veulent à la légitimité de Blanche de Castille et de Louis IX. Ce qu'ils reprochent à Blanche de Castille, c'est d'être une femme et d'être espagnole. Ça leur pose un problème. Ils aimeraient... Ils euh... n'avaient pas le même seuil de tolérance que nous Non. Puis, en tout cas, ils le manifestaient d'une façon différente. Oui, oui en plus. Ouais. Donc c'était mieux à tous les niveaux. <laughs> et euh, parmi ces, euh, ces opposants virulents, il y a le comte de Bretagne, Pierre Mauclerc. Pierre de Dreux, de son vrai nom, qui lui va mener un combat farouche contre la couronne. Blanche de Castille réussit temporairement à mater la rébellion de ce Pierre Mauclerc en signant le traité de Vendôme en 1227. C'est un traité apparent, c'est une, soumi, une soumission apparente, parce qu'il va continuer par la suite à avoir des projets hostiles contre la couronne. Donc en mars 1227, il signe ce traité de Vendôme. Donc, à Vendôme, qui est vraiment la charnière entre la Bretagne et l'île de France. Et du coup, quand il rentre, quand Louis IX rentre sur Paris, en passant par Orléans, il y a un château qui est le château de Montlhéry, qui est un vieux château de la couronne capétienne. Euh, déjà à l'époque de Louis VI, euh, c'est un château qui était euh, euh, exploité, utilisé par les rois de France. Louis VI le Gros. Louis VI le Gros, ouais. Ça c'est pareil, c'est un sacré roi. Et donc, on, on prévient Louis IX, quand il est sur le chemin du retour vers Paris, que ses barons l'attendent entre Paris et Montlhéry, prêts à en découdre avec les, les chevaliers euh, francs. À l'âge qu'il a, il n'est euh, pas spécialement rassuré. Donc, il se réfugie dans, ce, dans la tour du château de Montlhéry et Blanche de Castille aura pour. Mission, c'est elle qui va sentir la nécessité de le faire, de solliciter les milices communales parisiennes, les communes de Paris. C'est pour ça que la bataille de Bouvines est importante. Mmh. C'est que les communes de Paris se souviennent, ils ont le souvenir de Bouvines, et donc les milices communales. Donc, quand on parle de milices communales, qu'on soit d'accord, ce sont des enfants, des femmes et des hommes. La société, du, le peuple. C'est les gilets jaunes de l'époque. Les gilets jaunes de l'époque. Ouais, simplement. Prennent les armes, mais quand on parle d'armes, c'est les fourches et les piques. Mmh. Ce qu'ils ont à portée de main. Et ils se rendent de Paris à Montlhéry, c'est une heure en voiture. J'ai regardé, une heure en voiture. Je vous laisse imaginer le mmh. 60 bornes, quoi. À pied. Ils y vont à pied. Ouais, c'est 10 heures de marche, au moins. Ils arrivent à Montlhéry, récupèrent le roi, et de Montlhéry à Paris, à pied escorte le roi jusqu'à Paris les barons voyant ça se débinent. parce qu'à l'époque les gilets jaunes aimaient leur chef d'état est-ce que légère nuance est-ce qu'on imagine le peuple français d'aujourd'hui faire 60 bornes à pied pour aller chercher macron et même les précédents d'ailleurs. Hollande, Chirac Sarko. Euh, oui. et le ramener pour le défendre et c'est le premier c'est la première fois que Louis IX aura ce contact Direct cette déclaration d'amour pour moi oui, avec ça. son peuple à tel point qu'il en reparlera à un ami très fidèle qui est Jean de Joinville qui a écrit la première biographie de, de Louis IX il lui en reparlera quel, quelques années plus tard il aura toujours ce souvenir de Bouvines où, ouais, euh, en fait, où il se rappelle euh, de pardon merci où il se rappelle de de ce peuple en armes Venu le chercher pour le défendre. C'est un acte d'amour. Le peuple français a sauvé la couronne. Euh, et c'est ça la France qu'on aime. Voilà. C'est la, qu la France éternelle, la France des Gilets jaunes, qui est au fond euh, la même chose. C'est ça, ça que, que nous aimons. Et alors, on va revenir à ton livre, mais tu vu que Saint-Louis fait l'actu en ce moment quand même. J'ai vu ça, oui. Il paraît qu'il y a des gens qui ont. Alors, Black Law Matters. Qui ont un projet hostile à la garde d'une voilà. statue. Alors qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Louis euh, aux États-Unis. Et les manifestants de Black Law Matters l'ont attaqué, euh, parce qu'il aurait été antibiotique, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Euh, et, euh, et les croisades on... aussi, on lui reproche les croisades aussi. Les croisades, voilà. Donc, énorme dédicace à tous les croisés, petite parenthèse. Et euh, des Américains euh, ont spontanément euh, nettoyé... Se sont interposés aussi. Alors, se sont interposés d'une part, et euh, ont nettoyé les, les dégradations qui ont été faites. Il y a une vidéo qui, qui tourne et qui fait le buzz, sur Internet, c'est un Black Hole Matters, encore une fois, qui essaie de s'agripper et qui monte et en haut de ça. la statue de Saint-Louis. Enfin, pas en haut, mais à, il arrive à la moitié. À mi-chemin, quoi. Ouais. À mi-chemin, ouais. <laughs> il tombe, et il se pète la gueule, comme une, 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 une M, trois ouais. petits points. Et il a du mal à se relever, apparemment. Donc, euh, châtiment, châtiment, voilà. Euh, la Providence a frappé. C'est ça. L'ombre de Saint-Louis a frappé. J'ose voilà. espérer que ça le démotive. Mais euh, comme quoi ton livre est beaucoup plus d'actualité qu'il n'y paraît, mon cher Jean-Noël. Bah, bah, effectivement, là, l'actualité, c'est invité. Euh... Dans mon actualité. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement, euh, avant qu'on parle des croisades, en quoi Saint-Louis était un saint Comment ça s'est manifesté euh, dans, 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 dans les grandes lignes hein, dans, euh, Oui, bien, bien sûr. Alors, déjà, je tiens à signaler euh, que les contemporains de Saint-Louis le considéraient, en parlent déjà comme un saint. Ses ennemis en parlaient de, de, de son vivant, en parlaient comme un saint. Ça, c'est quelque chose d'important que je veux préciser avant, parce qu'on peut partir du principe qu'une fois mort, politiquement, il y a des intérêts qui font qu'on ait, est on voulu le canoniser. Mais pour les contemporains Louis IX, et c'est ça qui est essentiel, c'était une évidence qu'ils deviennent, euh, qu'ils soient sanctifiés. Un peu comme euh, Nicolas Hulot, par exemple. C'est ça. Voilà. Exactement, exactement. C'est une chose. blague je précise quand même. J'espère qu'ils ont compris quand même. il ah, y a de tout sur Internet. Il hein. y a de tout. Il <laughs> y a de tout. Alors, comment ça se manifestait Ça se manifestait de, de plusieurs manières, bien évidemment. La première, c'est euh, l'attitude qu'il s'imposait euh, au quotidien. Cette attitude s'est développée à son retour de croisade. Non pas oui. qu'avant sa croisade, il n'était enfin, pas, pas, pas tiède. Il n'était voilà. pas tiède. Mais il s'est passé quelque chose on y reviendra quand on parlera des croisades il s'est passé quelque chose qui l'a transformé. Genre, ce n'est pas le bon mot transformer parce qu'il était un peu comme ça quand même avant. Mais il s'est passé quelque chose qui, euh, qui l'a changé un petit peu. Qui a décuplé. Ouais, Exactement. Décuplé. Et donc, dans son quotidien, par exemple, euh, il mettait euh, sa pratique religieuse, sa foi, euh, en, au top de sa to-do list de la journée, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il assistait à plusieurs offices religieux par jour. Il avait plusieurs confesseurs. Il se confessait de jour, de nuit. Certains, effectivement, des clercs qui l'entouraient trouvaient ça excessif. Il écoutait parfois ses clercs, euh, c'est-à-dire que quand il s'imposait trop de jeunes, euh, sa santé euh, était en danger. Donc il écoutait ses clercs. Mais en tout cas, il mettait sa pratique et son amour du bon Dieu au quotidien euh, en priorité de ce qui, euh, qui était essentiel. Ensuite, euh, sa pratique de la charité et de l'amour du plus pauvre et du plus faible. Euh, ce qu'il disait à son fils, c'est soutient la plainte du plus pauvre jusqu'à ce que la vérité soit déclarée. Dans son imaginaire, dans sa conception des choses, par principe, commence par soutenir la plainte du plus pauvre. Je pense qu'inconsciemment, c'est statistiquement, tu as peut-être plus de chances euh, de ne pas être dans l'erreur. Jusqu'à ce que la vérité soit déclarée. C'est-à-dire qu'une bonne justice, si c'est le pauvre qui a tort, c'est le pauvre qui doit être condamné. Donc, son amour de la pauvreté, enfin d'amour, sa défense de la, de la pauvreté du plus faible se sont manifestés de différentes manières. La première, c'est la construction. Il a essaimé le royaume de France d'institutions religieuses, d'édifices religieux. Quand d'autres rois de France ont passé leur temps à édifier des bâtiments à leur propre gloire, Louis IX a passé son temps à. Euh, construire des bâtiments à la gloire de Dieu dans l'intérêt non pas de sa propre gloire mais dans celle des plus faibles. j'en vois un où je vais plaider moi. La Sainte Chapelle, c'est lui hein, qui l'a fait non La Sainte Chapelle, c'est lui. Ouais, bah, voilà. Les Royaumont dans l'Oise au nord de Paris, c'est lui. Finalement, en fait, Louis IX avait une détestation de la guerre. Le centre Pompidou, c'est pas lui le... Non, d'accord. Okay. Il n'aurait pas validé. Il n'aurait pas validé. Il pas validé ce genre d'édifice. Ok. Il avait une détestation de la guerre, c'est pour lui c'est toujours le plus pauvre qui pâtissait mmh. des batailles. Et avant de déclarer la guerre à quelqu'un, il, il le disait comme ça, il s'assurait toujours d'avoir usé de tous les stratagèmes, de toutes les mmh. solutions, prévenir son ennemi des conséquences de ce qui va se passer s'il maintient euh, sa rébellion. Parce que justement, évidemment, pourquoi c'est le pauvre qui en pâtissait Quand on faisait bataille, c'était un champ qui était ravagé. C'était des choux qui étaient réquisitionnés. C'est toujours le plus pauvre et jamais les plus riches qui en pâtissaient. Donc il, faisait, il veillait toujours à, à protéger le plus faible. Et les édifices religieux, il dépensait de sa propre cassette, sur sa propre cassette personnelle, euh, son propre argent au service de bâtiments, des hospices, des hôtels-dieu, pour aider euh, les plus pauvres. Il a aidé son ami Robert de Sorbon pour édifier ce collège, la Sorbonne, qui deviendra la Sorbonne par la suite, qui est un collège qui accueille des élèves pauvres. Et d'ailleurs, ces barons lui reprochaient parfois, son entourage, son conseil, de passer trop de temps à la prière, de passer trop de temps au service des plus pauvres. Il n'avait pas les codes, l'allure, le style d'un roi. Euh, en tout cas c'est pas comme ça que eux l'imaginaient le roi de france mmh. mais saint louis expliquait à ces personnes qui tenaient ce genre de discours quelle était sa conception de la royauté et d'ailleurs pendant le sacre d'un roi de france le roi de france s'engage à défendre les plus pauvres s'engage à défendre la foi et s'engage à faire bonne justice mmh. à ses sujets et euh, louis ix a a été la quintessence même de ses engagements qu'il a véritablement euh, tenus. Donc, ça, c'est pour la charité et l'aide des plus pauvres. Et ensuite, il y a eu la défense de sa foi. Comment s'est manifestée cette défense de la foi C'est euh, quand il est parti en croisade. Et il est parti en croisade non pas pour accumuler de la richesse, conquérir de nouveaux territoires, mais il est parti en croisade pour défendre ses frères chrétiens en prise aux infidèles. Euh, musulmans infidèles oui. euh, en Palestine, en Orient. Il est parti en croisade aussi. Et surtout, quand on lit la vie de, de Saint-Louis par Joinville, parce qu'il est parti en croisade avec lui, il a tout fait pour convertir les musulmans sur place. Il y avait vraiment une, dans, une mission d'apostolat. Mmh. J'allais te, te demander de dire un petit mot sur les croisades, euh, mon cher Jean-Noël. Oui, est-ce que tu. Pour après, ou comment ça se passe Bon, vas-y, 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 ouais. Parce qu'on arrive aux infidèles. On hein, va y bon. arriver tout de suite. Et du coup, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est aussi euh, la volonté, pour répondre à ta question de la sainteté, sa volonté de rendre une bonne justice à ses sujets. Et ça, ça a participé aussi grandement à sa sanctification. Quand il rentre de croisade en 1254, il se sent coupable et responsable de l'échec de sa croisade. Il est meurtri. Pour lui, il est responsable d'avoir sali l'Église universelle, comme il l'a dit. Et donc, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, et selon lui, il n'a pas été assez vertueux, assez bon, assez juste, et son peuple également. Donc, il va entreprendre une série de réformes euh, ju juridiques du Royaume de France euh, à partir de 1254. Et d'ailleurs, la justice moderne que nous connaissons aujourd'hui, quand je dis justice moderne, c'est quoi C'est la présomption d'innocence, c'est la notion de faire appel. Ce sont des notions qu'on doit à Louis IX parce que Louis IX tenait à ce qu'il y ait un procès et que la personne puisse se défendre et le parlement de Paris en 1254, on le doit aussi à Louis IX. Donc ces trois éléments, défense de la foi, charité et justice, c'est qui a euh, fait de Louis IX -Louis. On me demandait justement dans les questions comment expliquer la volonté de Saint-Louis de convertir les musulmans. Bon, bah, quand on est catholique, on veut qu'un maximum d'âmes aillent au ciel. Hein, donc, ça faisait partie du sacre, du, de la mission d'un roi de France, Il s'est engagé lors de son sacre à défendre la foi catholique et l'Église. On me dit quels avis portez-vous sur les critiques qu'ont apportées Saint-Pierre d'Amiens, c'est bien ça Je ne connais. connais pas ça. Saint-Pierre d'Amiens ouais, Non, mais je ne connais pas non plus, hein, donc euh, t'inquiète pas. Euh, comment est-il possible que des catholiques aient attaqué et fait la guerre contre leurs frères de religion sous l'égide de la foi Mais la nature ouais. humaine est pécheresse, malheureusement. Donc il y a des gens qui, bah, parfois, défendent le mal. Hein. C'est triste, hein. c'est ainsi. Hein. Alors on n'a pas vraiment de questions à proprement parler sur le thème actuellement, euh, mon cher Guillaume, c'est bien ça Bon. Euh, bah écoute, on, on va développer sur les croisades alors, du coup, non bah, Comme tu veux. C'est. Euh... Attendez, je rends le petit truc là. Ouais, ouais j'ai vu, mais euh, on, on va les prendre après parce que c'est pas sur le, le, le sujet. Donc on les prendra à la fin de l'émission. Euh... Tu peux dire un petit mot, mon cher Jean-Noël, sur. Euh... Oui, les croisades. Alors il y a, il y a eu deux bah, je, crois... suis croisé, je suis jaloux des croisés. T'aurais voulu être croisé Bah. Euh... Tu serais allé Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre à notre époque parce qu'il y, y a des combats euh, titanesques à mener. Nouveau. Y compris. Celui que tu sais dont j'ai parlé au début de l'émission, qui est pour moi, c'est une grâce d'avoir ce combat-là. C'est une grâce d'avoir le frère catholique bien sûr, mais c'est une double grâce que d'avoir ce combat-là. Donc, le, la jalousie est un sentiment qui m'est totalement étranger, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En revanche, les croisés qui ont repris Jérusalem, quand même, ils ont une chance extraordinaire. Quoi. Ils ont une grâce, absolument Alors, hallucinante. Quoi. Bah complètement. D'ailleurs, les, les croisades menées par Louis IX sont totalement différente dans l'esprit des croisades précédentes, c'est-à-dire que Louis IX, comme je le disais, avait une volonté farouche de convertir le sultan d'Égypte quand il est arrivé à Damiette en Égypte. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est essentiel. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Mais dans les années, dans la décennie 1240, en 1244, il fait le vœu de partir en croisade après être tombé malade de dysenterie, il était au bord de la mort. Et quand il se réveille, ce qu'il faut signaler, c'est que Blanche de Castille était allée chercher les saintes reliques, et les avait apposées sur le corps de Louis IX, en espérant, en priant fortement pour le rétablissement de son fils. Et quand il se réveille, il fait le vœu de partir en croisade. En 1244, les musulmans ont repris Jérusalem à la bataille de la Forbie. Et il y a grand danger, euh, et ses frères chrétiens font euh, lancent un appel à l'aide. À Louis IX, qui est une des plus puissantes euh, armées euh, de la chrétienté occidentale. Et en 1248, il commence déjà par partir une fois que la Sainte-Chapelle est consacrée. Et il fait construire un port nouveau, qui est le port d'Aigues-Mortes, dans le Gard, aujourd'hui. Je vous invite vraiment oui, à aller faire un tour magnifique. à Aigues-Mortes. Magnifique. Tous, tous les 25 août. Et le Gard, de toute façon, c'est magnifique. Voilà, je suis un peu chauvin de ce point de vue-là. On n'était pas objectif. Ouais. Tous les 25 août. Euh, date de la mort de Louis IX, il y a un week-end à aigues Alors, c'est un peu envahi par des populations aux meurtres contre nature de temps en temps. Je, je n'en dis pas plus. je suis plus. allé qu'une fois et c'était vraiment euh, somptueux. Oui, non, mais c'est magnifique. Voilà, simplement, je, je précise qu'il voilà, faut être un peu. Euh... T'as vu ça, toi Oui. As vu oui. Ça il y a une magnifique tour où on enfermait aussi euh... les protestants. Ouais. Et donc, en 1248. Et coller, classique, hein il connaît ses classiques, il n'a pas l'air comme ça. Hein, <laughs> c'est bien. Euh, mais Aigues-Mortes, l... manu... c'est sublime, c'est absolument sublime. C'est très beau. En 1948, est... il part d'Aigues-Mortes, escale en... à Chypre, direction l'Égypte. L'objectif, c'est de passer par l'Égypte, le sultan d'Égypte. De... Si on le convertit, si on le mate, on peut aller plus facilement à Jérusalem. C'est sûr. Et donc ça, ça démarre plutôt bien, puisque à Damiette... Au tout début, quand il arrive, il récupère la ville de Damiette et il transforme la ville euh, en ville chrétienne. La mosquée devient une cathédrale, une église cathédrale, un évêché. Donc il, il enlève les chichas, il enlève alors, les. Ouais, les anciens captifs ouais, ouais. Des, des croisades précédentes qui étaient restés dans les geôles sarrasines à Damiette sont libérés. Hmm. Et tous les sarrasins présents déquerpissent assez rapidement puisque l'armée croisée est infiniment supérieure. Oui, oui. Alors que peut-être que les Sarrasins avaient peut-être à l'époque le réflexe de ne se battre que quand ils étaient en supériorité euh, numérique écrasante. Voilà. Peut-être. Tradition qui s'est qui maintenue euh, de siècle en siècle. Mais vas-y, poursuis, <laughs> cher ami. Et donc ils vont rester, ils vont hiverner à Damiette parce que la crue du Nil ne le permettait pas d'avancer, etc. Et ils vont aller jusqu'en direction du Caire. Et là, ils vont. Enfin, euh, l'avant-garde de, de l'armée croisée va tomber sur un, un nœud qui est à la Mansoura, la, la ville fortifiée de Mansoura. A été fortifié aux croisades précédentes, l'avant-garde, donc 300, 300 chevaliers, dont le frère du roi Robert d'Artois, va se retrouver prisonnière dans la Mansoura et l'essentiel des 300 croisés vont se faire tuer, dont le frère du roi. L'arrière-garde arrive, l'armée principale de Louis IX, et là vont commencer des combats euh, difficiles pour l'armée croisée. Ils vont reculer, ils vont retourner vers Damiette, sauf que en reculant, en, en retournant sur leurs pas les sarrasins, les blocs je fais la version accélérée des croisades oui, oui bien, sûr, bien sûr, mais c'est le moment le plus passionnant de nos selon moi bon, c'est hein. vrai que c'est riche, c'est dense il oui, oui, oui. faut faire des films là-dessus hein, messieurs les producteurs bah voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien, euh... il n'existe rien des et donc Netflix. là, Louis IX est fait prisonnier en 1250 je veux juste raconter une anecdote que je raconte à chaque fois parce que pour moi elle m'a fasciné, Gauthier de Châtillon connétable de France le chef des armées euh, ça correspondrait aujourd'hui au chef des armées il protège la maison du roi de France, là où il est prisonnier, là où il, 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 il attend l'issue. Il est tout seul avec son épée à défendre, euh, à empêcher les Sarrasins de rentrer dans la maison. Et il les prend un par un. Mmh. un ah, c'est la un France, par un. ça. Hein. Bien évidemment, l'issue sera fatale. Qu'importe. L'homme médiéval, surtout à l'époque de Louis IX, se moquait totalement de la mort corporelle. Ce qui comptait pour eux, c'est le, leur salut. Bien sûr, ils allaient au ciel. État, et ça, de, grâce. Ça, c une... État de grâce, retenez ça. C'était une notion nouvelle pour moi en 2016. Ouais. Vous comprenez ce qui m'a amené évidemment. à me dire qu'est-ce que c'est que cette foi que je ne connais pas en fait. Et il meurt devant la porte et le roi est fait prisonnier. Il est ramené à la Mansoura où il est fait prisonnier avec le sultan, le jeune sultan puisque son père est mort quand ils sont arrivés à Damiette. Et là, Louis IX va échanger Essayer de convertir le sultan à la foi catholique puisqu'il aura le temps d'échanger sur la foi du sultan. Le sultan qui d'ailleurs a bien, il a pas mal traité Saint-Louis. Il faut, faut quand même être honnête. Hein. Il a plutôt bien traité le Saint-Louis. Il lui a laissé son chapelain, il lui a laissé son cuisinier, il l'a vêtu, Vêti Vêtu oui euh, euh, Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il lui a donné des vêtements. Et euh, il le donnait une couche respectable où il pouvait se reposer. Et donc, ils ont entretenu une relation courtoise et respectueuse en tant qu'hommes. mais sur sa, son analyse et sa façon de juger la foi de son adversaire, il était intransigeant. Il défendait sa foi. Bien sûr. Charitable avec les non-catholiques, mais sans pitié avec l'erreur. Le catholique est sans pitié avec l'erreur. Parce que rappelez-vous le magistère que j'étais l'autre jour. L'erreur n'a aucun droit. Je répète, l'erreur n'a aucun droit. Pas de pitié avec l'erreur. Louis IX est l'illustration de tout ce que tu défends dans cette émission. Il a mis en application les principes évangéliques. Hmm. Quand on lit sa vie, on se dit d'accord, c'est comme ça que serait une société si elle était dirigée par un catholique. Hmm. J'en étais où J'en étais à la captivité. Oui. Et à partir de là, il va y avoir un échange de Damiette la ville contre la personne du roi et de l'argent contre les croisés beaucoup de croisés vont apostasier leur foi catholique puisque s'ils n'apostasient pas ils sont euh, égorgés à un moment donné les mamelouks les mamelouks c'est euh, des anciens esclaves affranchis qui étaient la garde rapprochée armée du sultan mmh. ce sont eux qui ont fait L'essentiel des combats, ce sont eux qui sont responsables, pour euh, la majorité des combats, euh, responsables de la captivité du roi. Seulement, le sultan, quand il rentre, il ne les récompense pas. Qu'est-ce qui se passe Les Mamelouks vont assassiner le sultan. Tant qu'à faire. On change. Ça va arriver quelques années après. Mais on il va changer. Mamelouk. On va changer de dynastie. Non, c'est pas bien le missile, je plaisante. On va changer de dynastie. Les Ayubides. Deviennent quelques années plus tard la dynastie des Mamelouks. Et là, le Mamelouk, qui, qui vient d'égorger le sultan. Ah, ben bah ils égorgeaient déjà, d'accord. Okay. Ouais, viens voir Louis IX. Qui était bouddhiste, le Mamelouk. Hein. Oui, était bouddhiste, bouddhiste, oui. Euh, il était bouddhiste. Ascendant mmh. musulman. Bouddhiste modéré, voilà. Ce Mamelouk vient voir Louis IX et lui dit Je viens de tuer ton geôlier. Fais-moi chevalier. Et Louis IX aura cette phrase extraordinaire, fais-toi chrétien, et je te ferai chevalier. Mmh. Tout est dit. Fermez le banc. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a eu une crainte euh, dans le camp armé, euh, croisé, parce que du coup, on a changé de, de sultan. Mmh. Donc, le deal qui était euh, validé, à savoir d'Amiette contre le roi et de l'argent contre les, les croisés, est-ce qu'il tient toujours Il tiendra toujours louis ix est libéré il va passer quatre, les quatre prochaines années de sa croisade à fortifier les états latins d'orient qui ont permis de laisser quelques années, quelques années de sursis aux états latins d'orient avant la fin euh, à la chute de, de constantinople etc. c'est encore une fois c'est ma subjectivité mais euh, pour moi c'est le, le passage le plus passionnant du livre j'aime beaucoup les croisades euh, un jour, fera qu'on fasse une émission. Bon, il faut dire que moi, je suis pas un spécialiste de la matière. J'ai pas creusé ce sujet-là comme Dreyfus, Pétain et compagnie. Euh, mais euh, moi, ça me passionne vraiment. Bah, euh, ça l'est parce que c'est. Ça peut donner des idées aussi pour d'autres périodes futures, peut-être, de l'histoire de France. Je ne sais pas. Hein, mais... Peut-être. Euh... Peut-être. Non, non, mais ça, c'est ma subjectivité. C'est ma subjectivité, encore une fois. Alors, on me pose une colle. Y a-t-il des romans sur l'époque de Saint-Louis Des romans mon cher Bah, Jean moi, je ne vois que le roman de De Villiers. Qui est Donc, un roman euh... sur la vie de Saint Louis. Euh... Alors je prends la bibliographie qui est à la fin, mais j'ai pas lu de roman euh, de à ma... À ma... À ma souvenance. Bon, bah, écoute, non, si y a pas, non, non je, si, pas. S'il n'y a pas de roman, il n'y a pas de roman. Hein. On va pas... Ah, vous pouvez lire celui de De Villiers, hein, qui est pas, qui est pas mauvais. En soi, qui est Alors, même, euh, bien bon, écrit. Question qui n'a rien à voir avec le sujet. Que penser de Julius Evola? Réponse. Poubelle, poubelle. La vie est trop courte. Que penser du gallicanisme? C'est une hérésie condamnée par l'Église. On lui, a reproché, on lui a reproché d'être euh, le précurseur du gallicanisme. Ouais, lol, lol, lol. lol. Euh, donc poubelle le gallicanisme. Euh, J'en parle pas mal dans mon bouquin sur l'infaibilité pontificale. C'est gratuit sur le site de ma maison d'édition, donc pas d'excuses. Donc poubelle. Et le gallicanisme a été ressuscité par la fraternité Saint-Pédis. Donc c'est cette hérésie selon laquelle, en gros, je résume grassement, un catholique peut désobéir au pape. Poubelle. Un catholique est soumis au pape. Donc conciliaire. Enfin, le février qui m'écoutait, si Bergoglio est pape, vous devez vous soumettre à lui et vous devez aller honorer avec lui uh, Pachamama et, et courir à toutes les bêtises qui et raconte. Louis IX était soumis au pape. Mais bien sûr qu'il était soumis au pape. Ça n'a pas été le cas de tous les rois de France. Hein. Non. Alors, par contre, il a été critique, mais en, en, en dernière instance, il se soumettait toujours. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, il faut se soumettre au pape. pour mettre de foi une meurtre, de toute façon, il est infaillible. Il faut respecter son autorité d'un point de vue plus large. Il voulait qu'on respecte son pouvoir temporel, Louis IX. Et ici, nous saluons la mémoire de Boniface VIII. Euh, mon cher Guillaume, est-ce que tu as d'autres questions à me passer Non Alors, peut-être que, mon cher Jean-Noël, on peut dire un mot euh, sur sa mort à Saint-Louis. Ouais. ou quand, comment Alors, là, on va continuer d'ailleurs sur le sujet des croisades, puisqu'il est mort mmh. lors de sa dernière croisade à Tunis c'est une croisade qui a duré euh, deux mois où il ne s'est pas passé grand chose euh, donc elle va être vite résumée cette croisade y part en 1270 avec une euh, euh, toujours avec cette volonté de convertir l'émir de Tunis et pourquoi il est encore plus motivé que lors de sa précédente croisade c'est que l'émir de Tunis envoie deux ambassadeurs au royaume de France, pour avertir Louis IX que l'Émir pense, réfléchit, aimerait peut-être se convertir à la foi catholique. Dans l'esprit de Louis IX, c'est euh, euh, l'intervention de la Providence. Ce n'est pas évidemment que ça qui le fait partir en croisade, mais c'est quelque chose qui va vraiment l'animer, l'encourager oui. à partir. Oui. Et dans, les, dans la décennie 1260, Louis IX a toujours eu une santé très fragile. Euh, et donc, dans les, la décennie 1260, il aura cette petite santé qui vont, euh, qui vont faire en sorte que le pape va hésiter au début à le laisser partir en croisade. Mais face à ce désir ardent qu'il ressent dans Saint-Louis, il va le laisser partir et en 1270, Début juillet 1270, il va partir. Il fera une escale en Sardaigne et il va arriver euh, sur les côtes de Tunis. Et là, le 24 juillet 1270, il y aura une petite bataille, la bataille de Carthage, euh, sans grande conséquence. Et début août 1270, c'est son fils Jean Tristan qui va mourir le 3 août de dysenterie. C'est toujours le mal euh, des armées. La dysenterie s'attrape se, se, par une eau corrompue. Quoi. Et très rapidement, ça va être Philippe, son fils, qui deviendra Philippe III le Hardi, le successeur de Louis IX, qui va être atteint de ce mal. Louis IX va être également atteint de ce mal, la dysenterie. Et le 25 août 1270, alors qu'ils attendent désespérément depuis début juillet, l'arrivée de ce frère qui est Charles d'Anjou, qui a une une puissance militaire conséquente puisqu'il est devenu roi de Sicile, lui qui avait d'autres aspirations, un frère beaucoup plus politique, moins spirituel, qui était en train d'aider son euh, cousin à Constantinople, en prise avec les Grecs qui euh, étaient en train de réduire euh, l'état latin de Constantinople. Et ce frère arrivera à Tunis le jour de la mort de Louis IX, le 25 août. <coughs> Et à partir de là, euh, les croisés vont prêter allégeance au futur Philippe III, qui n'est pas encore sacré, mais là, la situation est exceptionnelle. Et Charles d'Anjou va aider son neveu. Donc, tous les deux, ils vont continuer à mener quelques batailles jusqu'au mois d'octobre. Et un accord, un traité sera signé entre les musulmans et les catholiques. Et en mai de la mai 1271, ils vont rentrer à Paris. Et euh, très rapidement. Le début du procès en canonisation va <coughs> commencer oui. à partir de là. Oui, tout à fait. Et puis ça va être fait assez rapidement. Hein. Parce que autant Jeanne d'Arc, il a fallu attendre plusieurs siècles, autant Saint-Louis. Euh, Alors ça va arriver très rapidement, mais ça va durer longtemps. Mm. C'est-à-dire très rapidement, euh, l'entourage les... du roi, du défunt roi et euh, le pape va commencer à, enfin, va demander à Geoffroy de Beaulieu, son confesseur, d'écrire une biographie, plutôt une hagiographie sur Louis IX. Il était son confesseur, donc il le connaissait très bien. L'intimité, sauf que entre 1272 et 1297, année de sa canonisation, vont se succéder quasiment dix papes. Quoi, je l'ai plus en tête, mais beaucoup de papes. Et donc, à chaque fois qu'un pape mourra, il faudra recommencer tout le processus, mmh. enfin, en tout cas, une partie. Et ça va prendre vraiment un nouvel élan avec l'élection de Martin IV. Pourquoi ça prendra ce nouvel élan Parce qu'à l'époque de la dernière croisade de Louis IX, il était légat du pape. Il n'était que légat du pape à l'époque. Et donc, il a côtoyé Louis IX en croisade. Donc, il y a eu ce, ce nouvel élan qui va relancer ce procès en canonisation, va l'accélérer. Et à partir des, de la décennie 1290, l'élection de Boniface VIII... Que nous saluons. Que nous saluons, pour ce qu'il a pu faire avec son petit-fils. Et, petit et j'invite les gens à lire la bulle Unam Sanctam justement qui vient anéantir cette hérésie immonde du gallicanisme, parce que la fatalité ah, saint pédis a ressuscité. D'ailleurs, Philippe le Bel était présent le, le jour de la canonisation, ça fait mal au cœur. Et donc, il a été, en 1297, euh, sanctifié, euh, Saint-Louis de France, devenu Saint-Louis. Et oui, et nous avons, alors nous ne sommes pas la, la seule nation à avoir des, des rois non. qui ont été des singes. je crois en Hongrie et, et en Allemagne aussi. Euh, Peut-être en Pologne aussi d'ailleurs, à vérifier. Mm. Euh, mais Saint-Louis, c'est vraiment euh, voilà, c'est l'éclat de la civilisation. Bah, c'est une synthèse en fait. J'évoquais Monseigneur Sonborn tout à l'heure. Monseigneur Sonborn a fait en anglois un sermon sur Saint-Louis mmh. dans lequel il rend hommage à Saint-Louis. Et je précise que de 1268 à 1272, la, euh, le siège de Pierre était vacant. Oui, oui tout à fait. C'est-à-dire que des vacances de siège euh, de plusieurs années, ça, mmh. ça, ça, ça a déjà été connu. Et je précise que avant 1958, il y a pour quasiment un demi-siècle au total de vacances de siège euh, dans l'histoire de l'Église. Et quand j'ai fait ce calcul, j'avais calculé que, les, que, à partir des vacances de siège qui étaient de plus de un mois ou de trois semaines, je ne sais plus trop. Ouais. Alors que si on prenait toutes les vacances de siège, ça serait encore plus. Est-ce qu'il y a encore des questions, euh, cher Guillaume Bon. Est-ce que tu veux ajouter un mot, mon cher Jean-Noël Alors dis-moi. Alors, non, pas spécialement. Peut-être que tu peux nous parler de, de Vox Gallia, de, de, de ta maison d'édition, les bouquins oui, que tu fais euh, par je ailleurs. Oui, Tu peux en parler. C'est-à-dire que je, là, là, je vous invite à vous rendre sur le site des éditions Vox Gallia pour deux choses. Euh, la première, c'est de visionner les presque 140 euh, vidéos de chroniques d'histoire sur euh, toute cette partie de l'histoire de France qui est soit méconnue ou soit euh, détériorée. Et ça, ça dure entre 5 et 10 minutes, donc c'est quelque chose qui est très digeste, première chose. Et deuxième chose, une fois que vous aurez vu quelques vidéos, d'aller sur l'onglet édition et de regarder les 8 ouvrages disponibles aujourd'hui cette, dans cette maison d'édition. Des ouvrages qui soient traitent de, de vie de saint comme la vie de Saint-Martin, édifiantes également qui a grandement participé à l'évangélisation de, de la Gaule, qui tiendra la France, et euh, la vie des saints pour tous les jours de l'année, tous les jours un, une petite dose de ces vies incroyables au monde du café, c'est ce que je vous invite à faire, et des vies chevaleresques comme Bertrand du Guesclin, euh, ce sont des exemples euh, pour tout le monde, la jeunesse ou pas la jeunesse, et j'espère qu'en tout cas ces, ces livres vous redonneront goût à aimer notre passé. Et à le glorifier, c'est important. Voilà ce que je voulais dire. Tout à fait. Et alors, une question me vient. Hop, 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 Alors, un petit mot sur le procès du Talmud, mon cher Jean-Noël. Alors, c'est le sujet, le sujet délicat par excellence, le sujet qui pas est, pour moi. Qui fait entre guillemets qui fait la dissidence. C'est parce que le Talmud a été condamné par l'Église, hein. infailliblement. Et parce que c'est infailliblement. Alors, je vous invite à aller consulter la chronique sur Galien, notre histoire de France sur ce procès du Talmud. Euh, J'en ai déjà parlé euh, précédemment. Alors, le procès du Talmud, en gros, qu'est-ce qu'on reproche à Louis IX ah, Tu dis Talmud, toi, pas Talmud Talmud, ouais, c'est vrai que je Talmud. Bon, je sais pas, mais. Bon. Le procès du Talmud. Ce qu'on reproche à Louis IX, c'est d'avoir été ah, le précurseur de la persécution des juifs et d'avoir été le précurseur euh, de l'étoile jaune que les juifs ont portée pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme s'il y avait un lien de cause à effet, quoi. Complètement ridicule. On fait un bon ex Incroyable ridicule. dans l'histoire, parce que qu'est-ce qui s'est passé En 1215, au quatrième concile de Latran, le pape a demandé aux princes chrétiens de faire apposer une étoffe de tissu sur le vêtement des juifs. Donc, déjà, en 1215, Louis IX a un an. Donc, Louis IX n'a jamais imposé de rouelle aux juifs. Louis IX a suivi la recommandation du pape, parce que Louis IX. Est soumis au pape, d'une. Deuxième chose, en 1244, quand les Talmuds ont été brûlés, qu'est-ce qui s'est passé En 1239, un, un juif converti au catholicisme, qui s'appelait Nicolas, Nicolas Dona oui, ouais. a averti le pape de ce que contenait le Talmud, à savoir des insultes à l'égard du Christ et de la Sainte Vierge. Ce qu'a fait le pape je vous la fais en accéléré, a recommandé à ces princes chrétiens euh, de, euh, de réquisitionner tous les Talmuds dans toutes les synagogues. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle un, donc le procès, une disputation, un échange argumenté, parce que c'est ce que Louis IX et Blanche du Castille voulaient, que les rabbins et les prélats catholiques débattent sur ce sujet. Parce que, du coup, on n'est pas dans. Ils n'ont pas été brûlés euh, de façon euh, arbitraire. Oui, oui. On a laissé la partie adverse se défendre. Se défendre. C'était la vision euh, de Louis IX. Pendant plusieurs jours, ces euh, ces rabbins et ces prélats se sont expliqués, défendus. Ils ont parlementé, discuté. Et ensuite, pendant un an, euh, les grands clercs, le pape, ont euh, délibéré, analysé ce qui s'était dit. Et trancher la question. Donc en 1244, il y en a en 1242, 1144 1246 il y a eu plusieurs euh, périodes, moments où le Talmud a été brûlé. Et euh, donc, moi, ce qui m'agace, parce que je l'ai eu très souvent, cette réflexion de, du Talmud, etc., c'est que les gens, et ça, c'est une erreur qu'on fait tous au moins une fois, mais qu'il faut, qu faut éviter de faire, c'est de juger nos, nos ancêtres. Avec les yeux d'aujourd'hui. Ça s'appelle l'anachronisme. Et ça, c'est un grand danger. C'est-à-dire que pour l'homme médiéval, pour l'homme du XIIIe siècle, c'était normal. C'était ce qu'il fallait faire. Parce que la société était organisée autour de la foi catholique. Le Talmud, et pas que, les cathares, c'était le cas, mettaient en danger cette société. Ouais. Pouvaient ébranler cette société. Et comme le roi. S'était fait le garant de la défense de l'Église et de la foi catholique, il était en son rôle de faire ça. Et l'erreur, on l'a dit, n'a aucun droit. Et s'il voilà. ne l'avait pas fait, il aurait, il aurait été en dehors de son rôle. Bien sûr. Et je tiens à préciser que certaines personnes prétendent qu'aujourd'hui, ce genre de d'excommunication euh, d'une partie de la société n'existe plus. Mais je tiens à rappeler, aujourd'hui, vous êtes excommunié. De votre famille, de votre travail, de la société, si vous pensez mal. Mais évidemment, on n'a jamais autant pratiqué l'ostracisme que sous la Ve République. Donc, Donc on a, arrêtons on, la blague. Hein. On n'a pas à se sentir arrêtons supérieur moralement envers ces personnes du XIIIe siècle, sauf que c'est ce, une autre époque. Et à cette époque-là, c'était normal. Les, je pense même que les, euh, le peuple euh, du royaume de France n'aurait même pas compris. Euh, que le roi ne fasse pas ça. Alors d'ailleurs, il y a une historienne juive qui s'appelle euh, Juliette... Les Juifs Autant de Saint-Louis. Juliette Sibon. Juliette Sibon qui a écrit un bouquin qui, entre... qui tord le cou d'après ce que j'ai écrit. Je ah. n'ai pas lu le bouquin. Hein. Alors par contre, pour ceux qui n'ont pas lu le mais, bouquin et qui n'ont veulent... pas le temps de le lire, elle a fait plusieurs vidéos oui, sur oui, YouTube. Oui. C'est là, là que j'ai découvert. Oui, oui. Euh... Bon, voilà. Et euh, en, en, en quelque sorte, elle tord le cou justement à ce regard anachronique, ouais. à ces préjugés débiles. L'antisémitisme n'existe pas. Au, à l'époque médiévale pour une raison simple c'est qu'on ne juge jamais l'homme mais la foi oui tout à fait, tout à fait. et puis c'est une opposition théologique et voilà. Louis IX défendait les juifs quand ils habitent le pogrom et d'ailleurs euh, pourquoi les papes condamnent le Talmud les papes de l'époque parce que je précise que dans mon ouvrage Parole de Pape je mets plusieurs textes de condamnation du Talmud et l'idée des papes c'est la, laquelle c'est de dire aux juifs oubliez le Talmud c'est une création que vous avez inventée euh, après euh, la crucifixion de notre seigneur et focalisez-vous sur vos prophètes qui, eux, annoncent le bon Dieu, qui annoncent l'avenue du Messie. Ils veulent les ramener dans le troupeau. Tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit peu d'oeil aux du Talmud. Les vidéos sont courtes aussi de Juliette là, donc au moins ça pose le cadre. Alors on m'annonce une ultime question que je vais recevoir dans un très court instant de notre ami Guillaume. Non Il n'y pas nouvelle question Ok, alors, autant pour moi. Écris autre chose. Autant pour moi. Bon, bah écoute, euh, dans ces cas-là, mon cher Journal, on va arriver au bout de notre émission. Eh bien, je te remercie en tout cas de m'avoir invité. attends, il bah, y a une nouvelle question là, ou bien Ah, J'en profite, ceci posé, pour euh, rappeler euh, aux internautes que je fais une séance de dédicace avec un euh, combattant pour la vérité, donc Alain Pascal. Donc, séance de dédicace samedi 11 à la Librairie française. Voilà. Euh, n'hésitez pas à venir en nombreux. Et puis, n'hésitez pas à venir soutenir Alain. Euh, parce que, bon, bah, Alain euh, n'est pas notre génération, il n'est pas branché euh, sur les réseaux sociaux comme nous. Ce qui n'est pas forcément plus mal, parce que ça lui évite aussi un grand nombre d'insultes, de calomnies, de diffamations. Parce que c'est ça notre lot, hein, en gros. Hein. On est insulté, calomnié euh, tous les jours. Moi, j'apprends des choses sur ma propre vie. C'est bien. J'apprends des choses que mon confesseur et que le bon ne savent pas sur moi-même. voyez Bon. Euh, bref. Donc, ça a aussi des, euh, des avantages. Alors, euh, question de Fifi. Qu'est-ce qu'il nous dit Faut-il regretter les durs, les auto d'affaires on valide les autodafés. C'est quoi le problème avec les autodafés Vous plaisantez ou quoi En fait, je pense que dans cette question, inconsciemment, il y a l'autodafé euh, nazi en fait. Et non mais je pense pas qu'il y ait Non rien. mais je veux dire, c'est inconscient. C'est que quand on pense aux faire... autodafés, on pense on ça. On ne mélange pas. Hein, et bref. Euh, et l'inquisition Non mais rien à rien à reprocher à l'inquisition. Enfin arrêtez avec ça. Je suis pas l'Inquisition. Ça c'est pareil. Il faut débunker. Si l'Église l'a validé, c'est que c'était une bonne chose. Pour il voir. faut débunker. Un jour, il faudra le faire. Déminer, 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 déminer. Déminer, pardon. L'inquisition. Sujet important oui, aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, euh, voilà. C'est pas ce qu'on vous a dit. Oui, 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 tout à fait. Et puis l'inquisition, pareil, c'est quelque chose qui visait le salut des âmes. C'est ça que ne peuvent pas comprendre euh, les gens de notre société qui n'ont qu'une vision, je dirais, euh, temporelle, matérielle. Alors que nous, nous avons un autre regard parce que nous visons au salut des âmes. Bref, tu as un, un dernier mot, euh, mon cher Journal, à ajouter bah, Je rajouterai simplement euh, bah, j'espère je, que vous serez nombreux à le commander. Tout simplement. Que, que, comment nous, rappelle-nous www.édition-vox-galia. Le lien est en description de la vidéo. Il faut cliquer Cliquez, dessus. Cliquer. Et, mais, faut cliquer, et vous, et, et faut cliquer, vous cliquer allez autant. arriver naturellement tout seul sur, ce, sur le site. Et je crois que dans quelques jours, il sera dispo à la librairie française aussi. Voilà. D'accord. Euh, bon, bah écoutez, donc on arrive au terme de cette émission. Euh, on a eu des dons, donc on remercie toutes les personnes qui nous ont fait des dons. Et puis, euh, bah voilà, donc je donne rendez-vous à chacun euh, à, la à la librairie française avec Alain Pascal euh, de, le 11 juillet. Nous dédicacerons tous deux euh, nos ouvrages. Voilà. Euh, bah je pense qu'on a fait le tour. Merci encore une fois de m'avoir invité. Mais c'est un plaisir, cher ami. Euh, je suis très, très heureux d'aider les gens comme toi, les nouvelles plumes catholiques qui émergent. Les, les gens comme toi, comme Guillaume Fondezel, comme Pierre Joly. Il y a une génération qui arrive. Hein. Comme Paul-Étienne court tout à fait, qui lentement calmement émerge je ne dis pas sans faire de bruit parce que nous faisons du bruit <laughs> mais voilà euh, donc euh, voilà les choses se passent bien tranquillement euh, ouais. essayons d'être dignes des grâces que le bon Dieu nous donne voilà merci mon cher Jean Noël je merci à Guillaume qui a assuré euh, l'intérim et puis bah écoutez on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission peut-être la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises voilà à bon très bonne bientôt soirée à tous